Votre émission Évasion vous emmène cette semaine encore à la découverte des plus beaux paysages du sud-ouest de Maurice. Situé sur la côte ouest de l'île Maurice, Flic-en-Flac est un véritable joyau offrant une expérience authentique. Sur la plage, vous verrez des pêcheurs locaux lançant leurs filets dans l'océan, tandis que les enfants jouent au bord de l'eau et que les familles se réunissent pour des pique-niques conviviaux le week-end. Les couleurs vives des bateaux de pêche contrastent avec le bleu profond de la mer, créant une scène pittoresque, digne d'une carte postale. La plage du Flic-en-Flac, bordée de filaos, est l'une des plus belles de Maurice, avec son sable fin et ses eaux cristallines. Le lagon de Flic-en-Flac regorge de merveilles naturelles avec une multitude d'épaves offrant des récifs parfaits pour la vie aquatique. Vous pourrez y apercevoir des murènes, des carangues et des langoustes, entre autres. Flic-en-Flac est également un lieu idéal pour la plongée, avec un lagon peu profond, une visibilité excellente, une température de l'eau agréable et des courants généralement faibles. Tout est réuni pour une belle expérience. Vous pourrez aussi apercevoir des dauphins souffleurs ou encore des dauphins à long bec qui se promènent tout le matin dans le lagon de Flic-en-Flac. Situé en face de la plage du Flic-en-Flac, séparée par la rivière Noire, le village de Tamarin est un endroit riche en émerveillement. Le village est très fréquenté par les surfeurs ainsi que par les locaux et les vacanciers en quête de sensations. Ici, la vie est paisible. N'étant pas protégée par une barrière de corail, la baie de Tamarin bénéficie d'eau vive et de houle la plupart du temps, ce qui en fait une plage prisée des surfeurs. Vous pouvez aussi pratiquer le stand-up paddle ou le bodyboard.
Avec un peu de chance et par temps calme, vous pourrez apercevoir des dauphins au loin. Une expérience magique. Les dauphins sont des visiteurs réguliers de la baie de Tamarin. Située au sud-ouest du territoire, la plage de Tamarin est nichée au bord d'un ancien village de pêcheurs. Elle est connue pour ses salines et l'une des plages les plus authentiques de l'île Maurice. Majoritairement fréquentée par les locaux, elle est propice aux baignades en bord de mer. C'est donc l'endroit à privilégier si vous voulez profiter de vos vacances à Maurice pour vous essayer à toutes sortes d'activités nautiques sensationnelles. La plage de Belle-Ombre, située dans le sud-ouest de l'île Maurice, révèle tendrement sa plage de sable doré, une invitation exceptionnelle pour les amoureux de la mer. Au pied d'un lagon bleu turquoise, à l'infini, la plage de Belle-Ombre est un havre de paix et de tranquillité. Vous trouverez de longues étendues de plages de sable doré à l'ombre des cocotiers. Dans ce cadre bordé de filaos et de nature préservée, la plage de Belle-Ombre à Maurice est un véritable sanctuaire de tranquillité. Vous y trouverez des activités nautiques de toutes sortes. We'll be right back.
Macondé, sanctuaire de la nature mauricienne, dont la route a été classée 10e parmi les plus belles routes du monde. Située sur l'une des plus belles côtes de l'île, entre Le Mans et Baie du Cap, Macondé est une halte quasi obligée pour tous ceux qui ont la chance d'emprunter la route B9 sur le littoral sud.